Test 1, 2. Test 1, 2. Test 1, 2. Et voilà, c'est bon. Ah, parfait. Là, ça passe. Ah, super. Donc, c'est bon. Merci. Impeccable. Donc, j'ai Kim, j'ai Curtis, j'ai Gilles. Colored Lace. Oh, super. Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Comment ça va? Moi, ça va super. Je crois que la semaine dernière, j'ai dit que j'avais la gueule de bois. Vous vous souvenez ça? Avoir la gueule de bois, cette expression? Alors, avoir la gueule de bois, comme ça. Avoir la gueule de bois. Voilà, c'est ça, ça veut dire to be hungover. Cette semaine, moins, mais un petit peu. Hier, je suis sorti avec ma femme. Et on est allé voir un ami qui jouait de la musique dans un bar. Et on a bu beaucoup. On a bu beaucoup. On a bu du prosecco, on a bu de la bière. Donc voilà. Heureusement, ça va. C'était plutôt dans l'après-midi. Donc, j'ai eu le temps de décuver. Alors, décuver, c'est un autre mot d'argot en français qui veut dire to recover. Et un peu dans l'idée from a hangover. Donc j'ai eu le temps de décuver. J'ai eu le temps de décuver. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de similaire en anglais, mais bon, on utilise ça généralement pour dire to recover. Ok, cool. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Moi, ce matin, j'ai fait une petite surprise à ma femme. Alors, ma femme, elle n'est pas du tout du matin. Donc ça, c'est une expression. Être du matin... ou ne pas être du matin, ça veut dire to be a morning person, ou je ne suis pas du matin, par exemple, I'm not a morning person. Donc ma femme, elle n'est pas du tout du matin, hein. Donc de temps en temps le week-end, j'aime bien lui faire des surprises et lui préparer le petit déjeuner. Donc ce matin, je me suis levé tôt, moi je suis du matin, donc je suis réveillé à 6h ou 7h de toute manière. Je me suis levé tôt, je suis allé acheter des fleurs, des fraises, du sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est... qu'est-ce que c'est en anglais déjà? Merde. Maple syrup. Le sirop d'érable. Elle se couche très tard? Oui. Généralement, elle se couche très tard. Et j'ai fait des pancakes à la maison. Donc voilà, je lui ai fait la surprise. J'ai fait des pancakes ce matin. Pour le petit déjeuner, avec des fraises, avec des fleurs, comme ça elle peut mettre des fleurs dans un vase. Donc voilà, c'était cool. Donc j'ai bien commencé mon matin et je suis très en forme ce matin. Je suis très en forme. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce matin? Ou ce week-end en général? Dites-moi. Tu es un bon mari, merci. J'essaye. J'essaye. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Avant que j'oublie, je vais aussi prendre mes médicaments pour les allergies parce que avec le pollen, c'est l'horreur. Alors, Kim, je profite d'un jour de congé. Un jour de congé, c'est du bon vocabulaire, ça. Jour de congé, ça veut dire a day off en français. Donc je profite d'un jour de congé, ce matin j'ai acheté une nouvelle voiture, hey, cool! En fait c'est une voiture d'occasion et c'est exactement le même modèle que ma vieille voiture. D'accord, c'est quoi que tu as comme voiture? Je suis curieux. Et Gilles, je dois... to do your taxes, that's a good one. Alors attends, une seconde. Alors, faire ses taxes en français, enfin... Le problème c'est qu'ici quand tu dis to do my taxes, you usually like talk about income tax, right? Donc voilà, exactement, les impôts. Donc l'expression c'est faire, ou plutôt déclarer ses impôts. Déclarer ses impôts, donc je déclare mes impôts. Je déclare mes impôts, c'est l'équivalent en français. À chaque fois que j'utilise le mot déclarer, ça me rappelle l'épisode de The Office avec Michael qui dit, qui déclare... sa banqueroute. I'm declaring bankruptcy. J'adore The Office. Ouais, déclarer ses impôts en français. Eh oui. Et la limite, c'est... je sais pas pour toi, mais ouais, à New York, la limite, c'est le 17 mai. Moi, je l'ai déjà fait. Ah, Kim, une Nissan Qashqai, ennuyeuse mais fiable. Oh, c'est bien, les Nissan Qashqai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ouais. Moi, c'est la merde avec les impôts parce que je suis auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est l'équivalent français pour dire self-employed. Auto-entrepreneur, voilà. Self-employed. Je suis auto-entrepreneur, donc ça veut dire que moi, pour mes taxes, je dois mettre de l'argent de côté sur ma paye. Donc, si je le fais pas d'avance, c'est la merde. Si je fais pas mes paiements chaque semaine. Ah, j'ai quelqu'un sur Whereby, c'est cool ça. Alors, j'ai Noah. Ok, so let me switch cameras very quick. I'll be right back. Eh super, on est là. Parfait. Alors salut Noah, comment tu vas? Ça va bien, oui. Je suis en Saint-Martin pour quelques mois. Ah, oh, c'est cool. Pour améliorer mon français. Génial. Et qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Martin? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Oui, je travaille à distance. D'accord. Donc, parce que je suis programmeur, c'est facile à faire des voyages. Et oui, mais ce n'était pas facile de faire des voyager parce avant, à cause du Covid. Mm-hmm. Mais Saint-Martin a ouvert ses frontières pour les Américains. Ah, ouvert. Et, ouvert. Ah oui, je l'ai pratiqué ça hier. Oui, il a ouvert ses frontières pour les Américains. Donc, je suis venu ici il y a 3 semaines et je reste ici depuis 3 mois. Ah, c'est cool. C'est cool. Oui. J'ai trouvé ton chaîne YouTube. Ouais. Parce que après quelques conversations avec les Français, mm-hmm. je me suis rendu compte que mon niveau de français c'est assez bien, mais la compréhension est très difficile. Ouais. Donc je cherche les autres ressources et j'étudie beaucoup maintenant parce que je suis très déterminé. Oui, je vois. Ah, c'est cool. Bah, ça fait plaisir que tu viennes aujourd'hui sur le stream. Donc, c'est cool. Attends, je peux faire un truc. Guys, can you hear us both well in the chat? Let me know if there's any problem or something like that. Alors, super. Donc, où est-ce que tu viens D'où est-ce que tu viens originellement, Noah? Virginie. L'état de Virginie. D'accord, c'est cool. Oui, mais j'habitais au Washington, hey, pendant quelques années avant je me suis installé ici. Ouais, d'accord. Donc tu... Et je me demande comment est-ce que tu peux parler anglais si parfaitement? Est-ce que tu es demi-américaine ou quoi? Non, j'ai appris en fait. J'ai appris l'anglais à l'école. Moi, j'ai une histoire un peu bizarre en fait parce que j'ai appris l'anglais à l'école, mais j'ai grandi en fait. Je sais pas si tu connais les Mormons, les Mormons. Ah. Voilà, oui, Mormon, en Utah, tout ça. Donc moi j'ai grandi mormon, et quand tu es mormon, tu as beaucoup de contacts avec des Américains. Donc j'ai eu énormément d'opportunités de pratiquer l'anglais avec des Américains. Et éventuellement, je suis venu aux États-Unis. Donc ouais, j'ai un peu cette facilité avec l'anglais parce que j'ai toujours eu un contact avec l'anglais. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était de regarder des séries ou d'écouter des podcasts ou ce genre de choses tout le temps. Moi, tu vois, mon vocabulaire et ma compréhension, je peux remercier la série Supernatural. Bon, ok. Non, ouais. Donc voilà, c'est sûr que ça aide énormément d'avoir ce contact, mais je dirais que la majorité de mon accent ou de mon vocabulaire, il est venu quand j'ai déménagé ici aux États-Unis. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc tu habites aux États-Unis maintenant? Ouais, j'habite à New York. Ah, bon. Oui, les séries. J'ai commencé quelques séries. Oui, parce que, comme j'ai dit, c'est la chose plus difficile. Et quand les Français, quand je suis avec trois Français ou plus, ouais. Et ils se parlent entre eux-mêmes. Oui. Oui. Ah, c'est compliqué. Et c'est très vite, oui. Donc, les séries sont bonnes pour ça parce que tu peux voir les conversations et rewind. Oui, et tu peux rembobiner. Oh, bon mot. Ouais, Il y a quelques mots en français qui est plus bon que les mots en anglais. Ouais, c'est vrai. Rembobiner. Alors, je vais te le mettre dans le chat, comme ça tu peux voir. Rembobiner. Je sais plus si c'est un N ou deux N, mais ça ressemble à ça. Rembobiner. Rembobiner. Parce qu'une bobine, c'est ici pour une, tu sais, pour une cassette, par exemple, for tape. Oui. That's the actual tape, une bobine. Donc, rembobiner, to rewind the tape, basically. Ouais. Ouais. Ça fait du sens. Ah, pour ça, tu peux dire c'est logique. C'est logique. Ah, ok. Ouais. J'utilise cette phrase beaucoup. Et je ne sais pas où j'ai appris. Je l'ai appris. Ouais. Donc, c'est logique. Moi, je fais la même erreur. Ça fait du sens. Alors, le problème, c'est... Est-ce que c'est... Ça fait du sens, ça ressemble à la phrase anglaise « it makes sense », right? Mais en français, tu peux comprendre si tu dis ça, mais ce n'est pas très commun. Donc, tu peux dire soit c'est logique ou d'accord ou quelque chose comme ça, mais ça fait du sens, je comprends, mais c'est pas exact, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ah bah ouais. Et pourquoi tu voulais apprendre le français? Qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre le français? J'ai trouvé, je sais pas, je veux être bilingue. Ouais. J'ai trouvé dans mon journal, comment dit-on, diary? Dans mon journal, oui, c'est ça. Journal, oui, d'accord. Oui. J'ai étudié au Maroc et j'ai étudié le français au lycée et à l'université, mais ce n'était pas très important pour moi. C'était c'était nécessaire pour mes degrés. Ton diplôme. Oui. D'accord. C'était nécessaire, mais ce n'était pas une passion. Mais après l'université, Non, après une semestre au Maroc, pour quelques raisons ou une autre, c'est I just translated for one reason or another. Well, we got really close here. Pour une raison ou une autre. Oh, d'accord. Ok, pour une raison ou une autre, je suis devenu, non, je sais pas. Après le semestre au Maroc, j'ai voulu être bilingue. D'accord. Et quelques années après l'université, c'était un peu... Quelques ans après l'université, c'était un peu... Je n'étudie pas le français beaucoup, mais récemment, j'ai trouvé un excerpt, un passage dans mon journal. Bien. Qui a dit de mon semestre à Maroc. D'accord. Avant que je meure, je vais devenir un bilingue. Super. Dans une langue. Et français, c'est le plus proche pour moi. Logique. Comme tu l'as appris, tu as appris la grammaire, tout ça. Maintenant, c'est juste la pratique, au final. Oui. C'est par hasard. J'ai choisi français au collège, mais si j'ai choisi l'espagnol, ça, je serais... I would do that, mais ouais. C'est français. Voilà. C'est pas exactement la langue de français. Et la langue de français, c'est une autre langue que je veux atteindre. Ouais, bah c'est bien, c'est cool. Alors, j'ai un commentaire qui est intéressant dans le chat. Quelqu'un qui dit « Tu ressembles à DFV, Deep Fucking Value ». Tu le connais? Est-ce que tu connais... Non. Tu as dû entendre parler de GameStop, non? Toute la chose sur GameStop, c'est le... Oui. C'est une personne qui a investi beaucoup d'argent dans GameStop et, il porte un bandana comme toi, il a la même coupe de cheveux que toi. Ah bon, c'est pas le GameStop pour moi, c'est Dogecoin. Parfait, super. Ça c'est mon clan. Moi aussi. Parfait. Ouais, c'est cool ça, c'est cool. Et donc du coup, qu'est-ce que t'aimes faire pendant ton temps libre en général? Qu'est-ce que je fais ou quoi? Pendant ton temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, tout temps libre. J'aime lire et j'aime... ici sur l'île, j'ai commencé les leçons de kitesurf. Ah, oh, c'est cool ça. C'est un surfboard avec le... Et la voile? Je sais pas. Un voile? La voile. La voile, ah oui. Et c'est pas attaché à la board, c'est à distance. Ouais, alors tu... Ah, attends, non, pardon, excuse-moi, c'est pas la voile, alors. Je vois ce que tu veux dire. Un parasol ou un para... Généralement, ça serait un parachute, mais sinon, tu sais, moi, kite. Ouais, moi avant, je disais un kite. Oui, d'accord. Oui. Parce qu'en français, tu dis je fais du kite surf de toute manière, donc un kite ou un, oui. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du kite surf, j'adore. Ah, tu l'as fait? Ouais, j'en faisais avant. Mon père était accro de kite surf avant. Tu connais cette expression, être accro à? Accro, c'est addict, right? Voilà, c'est ça. Mais tu peux dire aussi à une activité, pour une activité... J'ai jamais entendu comme ça. Ouais, donc si pour moi, j'ai une carte de Anki qui dit addict et les réponses sont toxico et accro. C'est ça. Donc, je crois que toxico, c'est pour les drogues et accro, c'est pour les autres choses. Ouais, en fait, tu peux utiliser aussi accro pour ça, mais accro, c'est plus ouvert. Tu peux l'utiliser pour plusieurs choses, comme les activités ou ce genre de trucs. Ouais, donc mon papa était accro au kitesurf quand j'étais plus petit. Donc, j'ai fait beaucoup de kitesurf quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, tout ça. Donc, j'adore. Ça me manque beaucoup. Cool. Ça me manque beaucoup. Je trouve que c'est un loisir C'est correct, un loisir, oui. C'est un loisir qu'on peut faire plus âgé que j'ai pensé, parce que c'est pas trop violent. Je crois qu'il peut être violent si tu fais des astuces et quelque chose comme ça. Si tu fais des... Alors, c'est intéressant parce que ici, tu as le mot « tricks ». Right? Tricks. Voilà, donc... si je fais des tricks, si je fais des sauts, si je fais des figures... Ouais, les tricks, les sauts et comment dans les inversés... des saltos. Un salto. Salto? Ouais. Hein, pour flip? Ouais, c'est ça. Un salto. Comme ça. Salto. Ah, d'accord. Et, oui. Et c'est... Mais il peut être assez tranquille si tu ne fais pas les... Des tricks. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as peur quand même de... parce que le vent peut être super fort et ça peut t'entraîner en l'air. Une fois, ça passe à moi. Ah, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ah, ok, ok. Ça, c'est une expression que je vois, mais... Je ne sais pas comment l'utiliser. Ouais, mais en fait, la différence, elle est super là. J'aime bien ton expression aussi. Ça se passe, for to happen. Mais ça, tu utilises-le pour des choses qui sont extérieures à toi. Par exemple, ah oui, le concert de whatever, ça s'est passé ou ça se passe, whatever. Et pour quelque chose qui se passe pour toi, c'est mieux de dire « ça m'arrive ». It happens to me. D'accord. Et ça passe, est-ce que tu as dit ça, ça se passe comme... ça, je peux dire le concert s'est passé. Le concert s'est passé. Oh, c'est pas réflexif, non? Alors, oui, c'est réflexif, mais c'est pas réflexif pour toi, en fait. Je vais le mettre dans le chat, comme ça, tu vas voir. Donc là... Le concert... Oups, what have I done? There you go. Alors, le concert, par exemple, s'est passé le week-end dernier, par exemple. So, the concert happened last weekend. Ah. Donc, tu vois? Donc, c'est toujours réflexif parce que l'expression, c'est se passer. But, si par exemple, je dis ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé, okay, happened to me. C'est pas réflexif, mais c'est très similaire. C'est très similaire. En réalité, c'est un pronom d'objet indirect. Ce M apostrophe ici, c'est un pronom d'objet indirect. Bizarre, mais ça ressemble à du, réflexif. It happened to me. Ça m'est arrivé. Voilà. Oui. Et oui. C'est pas... est-ce qu'il y a une situation où on utilise mes passés ou ma passé? Ouais. Ou jamais. Ouais. Il y a une situation où tu peux utiliser à passer, mais c'est un contexte complètement différent. Parce que le verbe passer aussi, ça veut dire to pass something. Donc par exemple, si je dis il m'a passé son téléphone, par exemple. Passe-moi le beurre. Voilà. Il me passe le beurre. Exactement. Donc là, tu peux utiliser ça, mais c'est différent. C'est pas un réflexif ici, c'est juste le verbe passer. D'accord. Ouais. Bon. Ah, c'est compliqué, je sais. Ah, c'est cool. Donc, il m'est arrivé. Je sais pas que c'est quoi le but de cette phrase. Ouais, ouais, c'était pour le kitesurf. Si ça t'est arrivé de d'être entraîné par le vent? Oui. Ah oui. Le vent me faire. Oui. Il m'est arrivé. Il m'est arrivé que je me faire sauter dans le ciel. Ouais. Une fois. D'accord. Mais pas... c'est assez facile. Peut-être c'est parce que tous les temps que j'ai je fais le kitesurf. Le vent n'est pas trop violent, mais c'est assez facile pour moi de contrôler le kite et ne pas mourir. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu me donnes envie de m'y remettre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu me donnes envie de m'y remettre. Alors, là, donner envie, ça veut dire you make me want to do something. Tu me donnes envie de m'y remettre. Oui, voilà, ça c'est ce que j'ai pensé. Oui. Parfait. Remettre. Ah, d'accord. Ouais, parce que là, l'expression, c'est se remettre à. Se remettre à quelque chose, ça veut dire to start doing something again, or to put yourself back to do something, basically. Ouais, donc c'est l'idée. Ah, c'est cool, c'est cool. Et est-ce que tu as déjà visité la France ou juste Saint-Martin? Oui, après mon semestre au Maroc, j'ai visité la France pendant 2 semaines, je crois. Ouais. Et une fois... Et au lycée, en fait, j'ai fait un échange, une échange avec un autre lycée. Mais j'ai pas assisté l'école. Le lycée français, parce que quand je suis allé en France, c'était les vacances. D'accord. Donc dommage, j'ai pas expérience. Et c'était 10 jours, c'était très très petit. Ouais. C'est vrai que 10 jours, c'est pas suffisant pour tout explorer. Pardon, c'est pas suffisant pour tout explorer. Non, pas du tout, pas du tout. Et qu'est-ce que, avec ton expérience limitée de la France, qu'est-ce que tu as aimé en France? En France? Oui. Tu dis? Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé les choses que j'aime. Plus et le sens d'être dans un autre environnement. Ah ouais. Je suis pas donc je suis pas familier. Oui, alors un autre environnement avec lequel je suis pas familier. Avec lequel je suis pas familier, oui. Donc avec lequel c'est complexe. C'est difficile. Oui. Oui, mais bien sûr, j'aime le Paris. À la tombe, mon ami étudie. Il était un étudiant à Montmartre. Et j'ai visité. Je l'ai visité et j'aime les cafés et les baguettes et l'environnement, je sais pas. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est vrai que c'est particulier, mais quand tu visites la France, c'est obligatoire d'acheter des pâtisseries ou des baguettes. Ouais. Ça fait partie de l'expérience, évidemment. Oui. Exactement. Et tu disais que tu es programmeur, c'est ça? Donc tu travailles en ligne. Qu'est-ce que tu programmes général? J'utilise la langue Python et un peu de R. Ouais. Oui, et j'ai fait des programmes pour processer les données, Ah, d'accord. Est-ce que c'est process? That's a good one. How do I say the process that way? Tu sais quoi, je vais regarder. Donne-moi un instant, je vais regarder. Je veux pas te dire une bêtise, donc je préfère regarder. Alors, to process. Ouais, ça c'est du vocabulaire très, très spécifique ici. Spécifique, oui. Alors, ouais. Hey. Donc je pense qu'on va dire pour traiter. Donc, traiter comme ça. Traiter. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, donc pour traiter les données, c'est ça? Oui, oui, oui. Traiter des données. Oui. On peut dire data science. D'accord. Les sciences des données. Voilà, c'est ça. Oui. Tu sais, c'est drôle pour ce genre de secteur, pour ce genre de travail. Tu sais, toutes les choses avec des mots comme data, comme programme, la programmation, tout ça. Généralement, à mon expérience, c'est des secteurs où les gens utilisent des mots anglais beaucoup. Donc là, par exemple. Tu vois, je sais pas, mais je sais plus ce que tu as dit. Voilà, data science, par exemple. Oui, exactement. Et je crois que je vois big data. Ouais. Sur en ligne, les gens disent ça. C'est ça. Oui. Donc c'est assez bizarre pour moi parce que tu mélanges beaucoup le vocabulaire français et anglais ensemble dans ce type de travail. Oui, c'est bon pour moi. Parce que oui, l'anglais c'est... Oui. Parfait. C'est bon, oui, quand je peux utiliser les mots anglais, mais de temps en temps... Plus souvent que non. Ok, j'essaie. Oui, plus souvent que non. C'est logique. Qu'est-ce que tu voulais dire en anglais? More often than not. Ah, oui, oui, plus souvent que non. Ça fonctionne. Ah, wow. Oh, I think I lost your microphone, man. I can't hear you suddenly. Attends. Non? Ouais, c'est bon. Plus souvent que non, j'utilise les mots anglais quand c'est tort, quand c'est pas correct, et j'essaie d'utiliser les mots français quand c'est... Oui, plus souvent que non, je les mélange, les mots anglais, les mots anglais que les Français utilisent. D'accord, d'accord, ouais. Et ça, c'est complexe, ça. Tu sais, tu as d'autres mots aussi. Pour moi, c'est très drôle parce que tu as plein de mots que les Français n'utilisent pas correctement en anglais ou qu'ils essayent d'adapter de l'anglais, mais qui ne sont pas, en réalité, utilisés en anglais. Tu vois, par exemple, le premier mot qui me vient à l'esprit... le premier mot qui me vient à l'esprit pour les films, par exemple, quand tu regardes un film, quand tu vois les personnes qui sont dans le film, en anglais tu dis the cast, mais en français on a utilisé le même mot mais on dit le casting. Par exemple. Donc tu vois, on adapte des mots bizarres comme ça, où tu dis... Je sais pas, moi, par exemple, tu dis... tiens, si tu aimes courir, en anglais, tu peux dire to jog, et en français, faire du jogging. Ou des choses comme ça, tu vois. On a une habitude... Ouais, Curtis, exactement, shampooing. Ah, oui, oui, oui. Ou shampoing. On l'appelle comme ça, shampoing. Ah, c'est très très bizarre. C'est très très bizarre. On utilise plein de mots comme ça, mais pas correctement. Et pour moi, c'était super super difficile. Et, donc je... Oh, pardon, vas-y. Oh merde, je l'ai perdu. I think it's connected. No. Well, Noah, if you're back here, in the stream. Come back whenever you want, dude. Bon, oui, pour les autres, c'est vrai. Le footing, absolument, c'est un autre exemple. T'as plein de mots comme ça. Ok, alors let me come back here. Voilà. Tada! Bah merde! J'avais une bonne discussion avec, avec Noah, mais bon, c'est pas grave. Si quelqu'un d'autre veut venir, vous êtes les bienvenus. Hein. C'est pas réservé juste à une personne. On peut avoir une discussion avec plusieurs personnes en même temps. En réalité, dans la salle avec, Whereby, je peux avoir 100 personnes. 100 people. I'm gonna have up to 100 people. Of course, I'm not gonna have that here, but hey, if we ever get there, I'll throw a party. By the way, okay, one little thing I just wanted to mention in English for a second. Remember, I do have a Discord server. My bot in the chat is linking that up every now and then, so if you scroll back up, you have a comment with the Discord server. Basically, I just wanted to create that Discord server so you have a place to hang out and practice together during the week. I kind of want to create a community, guys. So... yeah, if you want to hang out with me during the week, sometimes I pop in there if I play video games or if I do something else on my computer and you want to chit-chat, I'm down. And if you want to practice with someone, it's a great place to meet outside of, you know, just the stream. So come hang out and pretty much, yeah, do whatever you want on there. Alors, donc on va voir. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis curieux. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier? Moi aujourd'hui, je... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi aujourd'hui, je vais faire un peu de travail. Je dois travailler cet après-midi. J'enseigne des classes de français. C'est mon job, hein. Je fais les vidéos de français avec vous parce que, en réalité, c'est vraiment mon travail. Je fais aussi du français. Donc voilà. Et à part ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement un peu ranger mon appartement parce que chez moi, c'est le bordel. C'est le bordel. Vous connaissez cette expression, c'est le bordel? Ça, c'est une bonne expression, ça. C'est le bordel, ça veut dire it's a mess. C'est le bordel. Comme ça. C'est le bordel. Ah, je dois réviser un examen, mais j'ai presque fini tous mes examens. L'examen de français était hier. Wouh! Ça s'est bien passé ou bof? J'espère que ça va pour toi. Bah, je croise les doigts pour toi alors pour tes examens. Super. Je vais aller à la gym. J'ai rejoint la gym après 14 mois de confinement et après ma seconde vaccination. Bon, tu peux dire mon second vaccin, c'est plus facile. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Et Kim, je crois, tu es en Angleterre, c'est ça? Il me semble, Kim. Donc, si je me souviens bien, tu étais à Londres. Est-ce que les salles de sport, les gyms, elles viennent de rouvrir ou est-ce que c'était complètement fermé pendant la pandémie? Moi, par exemple, ici, c'est ouvert depuis pas mal de temps. Mais tu dois venir uniquement sur rendez-vous. Tu peux pas venir comme ça quand tu veux. Mais ouais. Et les autres, alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Après ça, moi... ouais, je disais, je vais ranger mon appartement parce que c'est le bordel. C'est le bordel, ça veut dire it's a mess, c'est ça. Alors Manu qui dit pour les examens, c'était pas mal, mais la question était sur le journalisme. Et to be honest, j'y connais rien. Pas j'en connais rien. J'y connais rien. J'y connais rien comme ça. Voilà. Oui, je suis à Londres maintenant, bien reconnu, Gilles. Si vous reconnaissez la rue derrière pour la photo, c'est Abbey Road, c'est ça. Donc j'ai changé un peu le décor cette fois-ci. Abbey Road, j'ai oublié comment prononcer ça, mais c'est pas grave. Bref, s'il y a quelqu'un d'autre veut venir passer du temps dans le stream, ou plusieurs personnes, mais venez, pas de problème. Voilà, c'est ça, les Beatles. Noah, pas de problème. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais c'était super de parler avec toi, Noah. Reviens quand tu veux, d'accord? Si tu veux venir encore aujourd'hui ou la semaine prochaine ou quoi, c'est avec plaisir, mon pote. Donc ouais. Alors moi je disais, je vais ranger mon appartement parce que c'est le bordel. À part ça, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je donne des cours. Ah, aussi, je vais essayer de trouver. Je vais peut-être travailler un peu. Ah bah, je vais vous apprendre un nouveau mot. Tiens, je vais vous apprendre un autre mot. Plancher. Plancher. Alors, to plank. Oh, littéralement. Mais si tu utilises plancher sur, ça veut dire to work on something. C'est de l'argot. D'accord, on prononce comme le nom Abbey. Ok. Pour Abbey Road. Merci, Kim. Ok, donc ouais, moi je vais plancher sur ma prochaine vidéo. Peut-être un petit peu, si je suis motivé. On verra. Mais en fait, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est une vidéo sur un YouTuber qui est très très drôle. Un peu pour refaire quelque chose avec des memes, tout ça. Lui, c'est une source de mimes extraordinaire, donc je voulais faire une vidéo pour parler un peu de ce gars. Si vous connaissez, il s'appelle Kemar. Kemar, il est très très drôle en français, donc je le recommande. Il est sur YouTube. Malheureusement, je pense que je vais plus pouvoir faire des vidéos sur des choses de Netflix. Je suis super triste, mais en fait, Netflix récemment a changé quelque chose. Quand on veut enregistrer un commentaire, vous savez, comme j'ai fait les vidéos sur Netflix où je filme l'écran de Netflix et je fais un commentaire dessus où j'explique tout ça. En réalité, Netflix maintenant essaie de décourager les gens comme moi de faire ça. Donc, si je veux enregistrer l'écran, automatiquement, ça devient tout noir. Donc, on ne peut pas voir la vidéo en fait. Et apparemment aussi, Netflix a commencé à être beaucoup plus dur avec les copyright strikes, tout ça. Donc, je peux essayer de continuer, mais sachant que Netflix c'est beaucoup plus dur et que YouTube c'est pas top, c'est pas génial pour tout ce qui est disputer l'utilisation des vidéos, fair use, tout ça, c'est un peu complexe. Donc moi, je me suis dit, oula, si Netflix, il commence à mettre... une autre expression. S'il commence à mettre des bâtons dans les roues, comme ça, ça veut dire... comment je peux expliquer ça, mettre des bâtons dans les roues? To make something harder for someone. Donc s'il commence à mettre des bâtons dans les roues, literally to put sticks in someone's wheels, so basically making it much harder. Ouais, donc s'ils commencent à mettre des bâtons dans les roues comme ça, ça veut dire qu'ils vont essayer de vraiment décourager les gens comme moi de faire ça. Donc c'est parfait, je fais une transition plus pour des vidéos de YouTube ou des films ou des choses comme ça maintenant, mais ouais, Netflix pour l'instant, je pense que je vais mettre en pause jusqu'à ce que la pression tombe un peu, parce que c'est comme ça. Mais c'est con parce que j'avais vraiment la motivation de faire Call My Agent, tout ça, vraiment entièrement. Mais bon, enfin, on va voir. Je croise les doigts, j'espère que les gens vont trouver une solution. Mais pour l'instant, c'est impossible. Ok. Curtis, je vais faire la coiffure pour deux potes. Eh, sympa. Tu vas leur couper les cheveux, c'est ça? Et Manu, oui, les vidéos sur Call My Agent sont super. Merci, c'est gentil. Ouais, ça me gonfle, ça m'énerve de ne pas pouvoir faire ça maintenant. J'espère que cette chose avec Netflix va changer, parce que j'allais filmer le prochain épisode, j'avais tout préparé, et quand j'ai voulu commencer à filmer, ça ne marchait pas parce que Netflix bloque maintenant, bloque la vidéo complètement. Tu peux entendre le son, mais tu ne peux pas voir. Et pour tout, hein, si tu utilises OBS, si tu utilises n'importe quoi, tout est bloqué. Moi, par exemple, j'utilisais ça beaucoup aussi pour mes cours de groupe. Je peux plus. Même sur Zoom, si je le partage mon écran, ça fonctionne plus. Donc ouais, c'est bizarre. Enfin bref. Et alors, Manu qui me demandait plus haut, ça se passe comment à New York City, le Covid? Bah franchement, ça va. Franchement, c'est pas mal du tout. Les New-Yorkais sont très... comment dire, Ils veulent avoir le vaccin le plus vite possible. Donc la vaccination à New York, ça s'est très très bien passé. Moi, je suis entièrement vacciné. J'ai les 2 doses depuis la fin du mois dernier. Je me suis fait vacciner la 2e dose le 26. Donc vraiment, je suis très chanceux. Ma femme aussi, on s'est fait vacciner le même jour. Donc nous, ça va. Et ouais, les choses commencent à aller de mieux en mieux. Ici, à New York, on a l'impression que, tu sais, maintenant qu'une grande majorité des gens est vaccinée, les choses commencent à redevenir plus normales. Tu as beaucoup de gens à l'extérieur, des gens qui mangent dans les restaurants. Et pour moi, on en parlait hier avec ma femme, comme on était à l'extérieur. Pour nous, il nous semble que... Après, c'est notre opinion, hein. Il nous semble que les choses, en fait, sont tellement redevenues à la normale que quand tu vois une personne qui n'a pas de masque ou qui est à l'extérieur, tu te dis « Ah ouais, d'accord, non, mais cette personne, elle est vaccinée. » C'est pas comme si tu te disais « C'est un fou, c'est un anti-masque, c'est... » Non, au final, les personnes sont tellement vaccinées ici que... on préfère assumer les bonnes intentions des assumer le meilleur des autres personnes plutôt que de se dire c'est dangereux, tout ça. Et le CDC, je sais pas si vous avez vu ça, mais le CDC ici a annoncé que maintenant les personnes qui sont entièrement vaccinées, elles n'ont plus besoin de mettre le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais après, New York, ils n'ont pas encore implémenté cette règle. Donc nous, évidemment, on respecte toujours, on met le masque quand c'est nécessaire, on utilise le masque quand on est dans un bar à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Mais à l'extérieur, non. Quand on marche dans la rue, pas vraiment. Ok. Et on continue. Alors, les autres commentaires. Alors. Vous savez, Camille Cotin est dans le nouveau film de Matt Damon. Elle devient une superstar maintenant. Ah, c'est sûr, c'est vrai ça. Dans quel film elle est, Camille Cotin? J'adore cette actrice. Au passage, elle est fantastique. Camille Cotin, attends. Camille Cotin. Ouais, c'est vrai qu'elle est dans 10%. Mais là, ouais, apparemment, elle va être aussi dans le film sur la maison de Gucci, le dernier film de Ridley Scott qui va sortir en novembre. Ouais, je savais pas pour le film de Matt Damon. C'est quoi le Stillwater, d'accord. Ouh, je vais regarder ça parce que ça m'intéresse. Stillwater. Alors, voilà. Hey, ça a l'air sympa. Je vais le garder. Ok. Et Kim qui dit, je veux voir sa série Connasse, c'est une comédie, je peux pas la trouver sur Netflix, juste sur YouTube. Ouais. Ouais. D'ailleurs, cette série Connasse, c'est énorme parce que c'est ça qui a donné l'inspiration à son personnage de Call My Agent de 10%. Donc, ouais, j'adore cette série. Connasse, c'est génial. Et Kim, si tu as regardé la série entièrement, tu sais de quoi je parle, mais sinon, il faut absolument que tu vois cette série, surtout pour le dernier épisode qui est super drôle. Bah oui, voilà. Manu, tu en parles. J'ai vu le film où elle veut marier Prince Harry et c'est super drôle. Ouais, c'est ça, c'est le dernier épisode de Connasse. Elle va en Angleterre et elle essaie de contacter Prince Harry. Ok. Aussi, elle joue dans la version française de Fleabag, une comédie britannique. J'ai entendu que Fleabag, c'était super. J'ai pas regardé la version française, ni la version anglaise d'ailleurs, au final. Mais ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Hey, I got a new subscriber, that's cool. Bah, merci Alison. Super, bienvenue. Et parfait. Ouh, j'ai lu tous les commentaires du coup, c'est cool. Ouais, bah voilà, c'est assez intéressant de voir toutes ces séries, mais Connasse, c'est fantastique. Je sais pas si elle est disponible aux US, Connasse. Ah, tu crois que ça s'appelle Mouche? Ce serait logique. Je vais voir, attends, on va regarder. Camille Cotin. Camille Cotin. Alors, sur Canal+, d'accord. Ah, attends. Ah oui, tu as raison. Mouche, since 2019, d'accord. D'accord. Impeccable. Ouais, bah je vais l'ajouter à ma... Je vais l'ajouter à mon... À mon truc. À mon truc à regarder. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Et voilà, parfait. Alors, quoi d'autre? Le même script, mais en français. D'accord. Sympa. Je l'avais vu aussi dans... elle a fait une apparition assez rapide dans Killing Eve, la série. J'adore. J'adore cette série, elle est fantastique. Mais ça m'a surpris de la voir dans, cette série. Ok. Merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, c'est pas grave. Ok. Passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, je sais. Alors moi, j'aime bien poser une question en ce moment à tous mes élèves. J'adore poser deux questions ensemble. Donc, comme vous savez, les Français, on est des professionnels pour se plaindre. Se plaindre, ça veut dire to complain. Donc, moi, j'aime bien demander qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous détestez. Les deux choses ensemble. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous détestez. Le tournage d'un épisode de Killing Eve était juste en face de ma fenêtre à Londres. Oh, c'est cool! En 2018. D'accord. C'est cool, Manu. Moi, c'est pareil. Comme j'habite à New York, de temps en temps, il y a toujours des tournages. Moi, j'habite à Inwood, par exemple. Donc, c'est le nord-nord-nord de Manhattan. Et on avait, pendant quelques temps... je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film comédie musicale, In the Heights. Je crois qu'il n'est pas encore sorti. Il devait sortir l'année dernière, mais moi, c'était ça. On avait In the Heights toujours dans notre quartier qui filmait pendant quelques mois. L'épisode où elle est dans une veste rose. Ah, je crois voir cet épisode. Je crois me souvenir de cet épisode. Alors dites-moi, du coup, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous détestez? Moi, par exemple, j'aime beaucoup... j'aime beaucoup aller au cinéma. Mais moi, je déteste... Allez, je vais le mettre dans le chat. Donc, j'aime beaucoup aller au ciné et je déteste... Pourquoi ça me corrige pas la bonne... Oh, hang on. Je déteste... Ouais, c'est bon. Parler avec des cons. Donc, si vous connaissez le mot con, ça veut dire un peu asshole. Donc, je déteste parler avec des cons. I hate speaking with assholes. Noah, je déteste le pipi. Je déteste le pipi croustillant sur le siège, sur la cuvette des chiottes. Sur le siège des chiottes. Oh putain. Ah, ça c'est horrible ça. Et j'aime le nettoyer. Oui. Absolument. Ah, moi, non, et moi c'est l'horreur. Moi, à New York, c'est comme ça partout. Donc. Les autres, vous avez compris ou pas? Le pipi, croustillant, crusty, sur le siège des chiottes, on the seat of, on the seat of the, bah, voilà, vous avez compris. Oh putain. Ouais, bah, du coup, je sais pas pour toi, mais ici à New York, non mais c'est l'horreur à New York. Moi, j'ai pris l'habitude de couvrir la cuvette avec du papier toilette. Je m'en fous. Si c'est pas bon pour l'environnement d'utiliser trop de papier, je préfère ne pas choper une maladie accidentellement parce que mes fesses touchent le siège de la cuvette. Non, je refuse. Ah putain, Alors là, tu m'as tué, Noah. C'est excellent. Je crois que t'as gagné, là. T'as gagné. T'as gagné. Et les autres, alors? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous détestez? Je crois que c'est difficile de faire mieux, là, Noah. Oh, putain. Ah, je m'y attendais pas. Non mais là carrément Noah, là je devrais arrêter le stream en fait, là c'est bon, là on a atteint l'apogée du stream, là c'est parfait. Super. Allez les autres, donnez-moi des idées, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez? Alors, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez? Can't top that. Ouais, je suis un peu d'accord là, je suis un peu d'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez? Je vais en faire une autre, allez. Je vais en faire une autre, je vais essayer. Moi j'aime... Ah bah tiens voilà, j'aime la gym, mais je déteste les mecs qui font beaucoup de bruit, qui font beaucoup de bruit dans la gym. Ouais, ça c'est gonflant ça. Surtout quand ils soulèvent des poids beaucoup trop lourds et qu'ils font beaucoup de putain comment on dit des grunt a lot. J'ai oublié ce mot de grunt. Attends. Parce que t'en as, ils sont ridicules quoi. Ouais, il grogne. Alors, le verbe, c'est grogner. Grogner, ça veut dire to grunt. Ah, il y en a qui exagèrent vraiment. Gémir, ouais, gémir, c'est plus to moan. Dans le sens là aussi. Un grognement, voilà, les gars qui grognent, carrément. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, grogner, c'est un peu... Ouais, ça veut dire to groan, littéralement. Ça peut être aussi un chien, par exemple. Un chien qui grogne. You know. A groaning dog, ou quelque chose comme ça. J'ai vu un mot pour ces hommes. BG, beau gosse, ouais. BG, c'est drôle parce que... Beau gosse, c'est un peu comme... ouais, c'est... Beau gosse, c'est... en réalité, c'est un compliment. Originellement, c'est un compliment. Ça veut dire good-looking kid or like a good-looking dude, a stud, quelque chose comme ça. Donc, on utilise les lettres, hein, BG. Mais aujourd'hui, en fait, ça a été tellement utilisé qu'on l'utilise sarcastiquement maintenant. La majorité du temps, quand tu dis quelqu'un c'est un BG, tu l'utilises sarcastiquement parce que c'est un peu has-been, c'est un peu démodé. It's a little old-fashioned, so you need to use it sarcastically now. BG. Je déteste dire des mots empruntés à l'anglais quand je parle français parce que j'ai l'impression de devoir les dire avec un accent français et c'est gênant. Oui, 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 je déteste ça. Ouais, en fait, c'est drôle parce que tu as raison. Après, je dirais, Gilles, c'est différent parce que quand tu es anglais ou quand tu es américain ou que tu parles anglais couramment, c'est moins requis que si tu parlais français et que tu utilisais des mots anglais. Je vais expliquer. En fait, les Français, la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils sont horribles pour prononcer les mots en anglais. Donc en fait, les Français, ils ont cette mauvaise habitude maintenant de ne pas apprécier les gens français qui utilisent des mots anglais avec l'accent anglais. Donc par exemple, moi, si je parle avec des amis et que j'utilise le nom d'une entreprise par exemple ou d'une marque américaine. Donc dans une conversation, j'utilise le mot Facebook, Twitter, ce genre de choses. Bah si je commence à utiliser un accent anglais parfait, les gens ils vont me trouver bizarre. Ils vont penser que je suis bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser, ah, this guy's a wannabe, like he's a tryhard. He tries to sound better in English, so Ouais, donc moi, si je commençais à dire « Ah oui, est-ce que tu as un compte Twitter? Est-ce que tu es sur Facebook ?» Ouais, voilà, c'est bizarre pour les Français. Donc, on a cette mauvaise habitude, cette très mauvaise habitude de forcer les gens en français à utiliser l'accent français pour dire des mots en anglais. Moi, ça me tue. Mais, d'un autre côté... c'est vrai que Gilles, tu as raison parce que tu as un autre problème. Les Français ont du mal à identifier l'accent anglais. Donc, j'ai une histoire pour ça qui est très drôle. Quand ma femme apprenait le français, je sais pas si je vous ai raconté ça. Quand ma femme apprenait le français, quand on a habité en France, un jour, elle avait essayé elle parlait avec d'autres élèves qui apprenaient le français et dans la conversation, ils étaient en train de parler de Steven Spielberg. Et des personnes disaient « Je connais pas Steven Spielberg, qu'est-ce qu'il a fait comme film ?» Et ma femme essayait de communiquer avec son français très petit. Et elle essayait de dire « Ah, Jurassic Park, Dinosaurs, Jurassic Park. » et les gens « Ah, quoi? Jurassic Park? Quoi? Jurassic Park. Ah !» Donc, généralement, il faut prononcer très très mal les choses avec un accent français pour que les Français comprennent. Et ça, je trouve ça très très nul. C'est nul. Ok, ouais, donc ce mot BG, c'est dans les vidéos de Norman. Ouais, ça m'étonne pas. Norman, il est super. Kim, tu portes toujours tes écouteurs pour le... Oui, pour la G. Moi, c'est pareil. J'ai toujours mes écouteurs aussi. Alors... Pévic qui me demande « Salut, bonjour, vous pensez quoi des Beatles ?» Bah j'adore les Beatles, comme tu peux voir ici, j'ai Abbey Road derrière, donc oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi jouer, je joue un peu de guitare et j'aime beaucoup jouer quelques musiques des Beatles. Mes deux préférés à jouer, c'est « Here Comes the Sun » et « Blackbird ». J'adore. Ok, Kim, moi j'aime pas prononcer le mot freelance avec un accent français. Freelance, putain c'est con ça, je déteste faire ça en français mais c'est obligé. C'est bizarre mais c'est comme ça. Nos langues, on emprunte des mots et des accents. Ouais donc nos langues évoluent, surtout dans notre génération à cause d'internet et de la globalisation. Eh oui, bingo, tu as raison Jason. Donc ouais, c'est moi vous savez je suis pas... je suis d'une école de pensée où je pense que les langages sont malléables, les langages évoluent. Je suis complètement contre cette idée traditionnaliste que la langue française, elle doit rester d'une certaine manière. Non, c'est pas la réalité. La réalité, les gens évoluent, le langage évolue, les mœurs, comme ça. Les mœurs évoluent. Voilà comme ça donc c'est important d'évoluer avec ça pour pouvoir participer à la conversation. Sinon si vous avez un français traditionnel, bonjour, comment ça va, comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, non c'est... Non, il faut apprendre la vraie manière d'interagir avec les gens, sinon ça fonctionne pas. Ou même quand tu parles en anglais pour commander un croissant ou tu dis le nom d'une marque française mais avec un accent français, mais les anglais te trouvent wannabe. Ah oui, tu as raison, Manu. Oui. C'est Académie française wants to know your location. Come get me, bitch. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu as raison, Manu. C'est exactement ça. C'est ce genre de choses vraiment con qu'on s'impose, ce genre de choses qu'on s'impose comme ça. Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est... Tu sais, le problème, c'est que quand tu essayes de... d'apprendre une langue, tu essaies de t'intégrer, tu essaies d'avoir le bon accent, et puis t'as des gens comme ça qui te trouvent un peu prétentieux quand tu essaies de parler une langue. C'est putain... fuck, let me practice, dude. Donc voilà, je comprends, c'est dur, quoi. Si je veux un pain au chocolat, j'utilise un accent plus Londres que Paris. Je comprends, Kim. Ah, mais c'est... Vous savez, ça c'est mon rêve personnellement. C'est d'ouvrir c'est d'ouvrir pas une école, mais plutôt une expérience ou quelque chose comme ça en France, où les gens peuvent venir pratiquer sans jugement. Je déteste cette idée que les Français jugent et sont un peu des... en anglais, vous avez le mot parfait, gatekeepers, surtout à Paris. Hein, surtout à Paris. Dans le sud de la France, beaucoup moins. Donc ouais, d'avoir cette idée de pratiquer, par exemple, je sais pas, prendre une maison, une grande maison avec plein de chambres, un hôtel, un château, quelque chose comme ça, et de faire une expérience où on regroupe plein de gens qui apprennent le français, mais qui veulent pas faire des leçons, qui veulent juste pratiquer. Et voilà, d'aller au restaurant, d'aller au bar, des choses comme ça, et d'interagir ensemble pour pratiquer, sans jugement. Donc voilà, ça serait mon rêve, c'est d'avoir un truc comme ça, une expérience où vous pouvez venir dans une ville française et pour vous aider à pratiquer, quoi. Donc je vous tiens au courant, éventuellement, j'aimerais faire ça. Voilà, donc dès que je ferai ça dans le futur, je vous tiendrai au courant. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qui me veut mon téléphone? Je suis bombardé de notifications. Rien d'important, j'espère. Non, rien d'important. Allez, hop. Comment dire les loan words en français sans parler comme une idiote? Bah ça, c'est une très bonne question. Tu sais... c'est difficile parce que je pense que c'est une question de confidence. Une question de confiance aussi. Généralement, si tu parles avec confiance, who cares if you have a French accent or an English accent, like just do it. Mais je sais que c'est un peu difficile. Moi, je dirais en théorie pour les mots comme ça, il faut essayer de c'est mieux de mimer les autres personnes, to mimic, mimer. Mime les autres personnes, mime leur prononciation. Mime leur langage corporel, leur intonation, tout ça. Au plus tu te rapproches de la totalité de la chose, au mieux c'est. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, une école château. Ouais. C'est une bonne formule. C'est une bonne formule. Non, franchement, ça serait cool, ça. Parce que des écoles comme ça de français où tu prends des cours... ça existe, t'en as des tonnes. Mais des trucs où tu peux juste pratiquer, pas forcément prendre des cours de grammaire, tout ça. Ça existe rarement. Donc ça, j'aimerais vraiment faire quelque chose d'intéressant comme ça, où tu as une expérience. Et c'est plus proche de la réalité, où on cuisine ensemble, on va au restaurant, on va au marché, on visite des musées, mais on pratique le français dans des contextes réels, au lieu de faire des leçons, très cons, traditionnelles, machin, etc. Donc voilà. Mais c'est important quand même. Bon, après, je sais que je dis c'est important. J'aime pas le français traditionnel, mais c'est important quand même d'utiliser du français traditionnel. Oui, il faut l'apprendre pour ensuite évoluer vers du français contemporain. C'est important. C'est pour ça que je suis professeur de français au final, pour aider les autres à apprendre cette structure française. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de passer du français normal, traditionnel, au français contemporain, avec de l'argot, tout ça. Moi, c'était super difficile quand j'ai appris l'anglais, parce que j'avais appris l'anglais à l'école, et de faire cette transition à l'anglais américain, ou surtout l'anglais new-yorkais, par exemple, avec beaucoup d'expressions, des accents très durs à comprendre. Putain, c'était difficile, donc ça demande beaucoup de pratique, donc c'est ça le truc. C'est ça qui est compliqué. Et moi, le plus grand compliment que j'espère recevoir un jour, c'est que quand je parle anglais, je sonne comme un New-Yorkais, j'adorerais. mais je suis pas encore là. On verra. Après c'est parce qu'il me manque beaucoup d'expressions aussi. Enfin bref. Quelle heure il est là? Il est 11h20. Ah, c'est pas mal déjà. On a fait quoi? On a fait 1h15. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Bon, alors voyons. Voyons. Ah, tu veux ouvrir une école en France ou aux États-Unis? Bah, je sais pas, peut-être les deux. En fait, moi, pour l'instant, je travaille pour une librairie qui donne des cours de français. J'ai pas assez de personnes pour ouvrir ma propre école pour l'instant. Et puis aussi, j'ai une super relation avec mon boss, donc je peux pas lui faire de la concurrence pour l'instant. Ça serait pas cool. Donc éventuellement je ferai ça, éventuellement j'ouvrirai ma propre école, je pense que je ferai quelque chose en ligne au début, puis après ouvrir une école physique aux États-Unis ou en France peut-être, et je pense que majoritairement je vais faire quelque chose en ligne. Je donne déjà des cours en ligne, soit des cours de groupe avec une librairie qui s'appelle Out of Wild Books, je vais vous donner le lien d'ailleurs si ça vous intéresse, bougez pas. Je vais mettre le lien dans le chat. Hop. Voilà, moi je donne des cours de français dans cette librairie. Et puis sinon, je donne des cours privés aussi. Mais bon, si jamais vous voulez prendre des cours de groupe pour la grammaire ou pour la pratique, ben venez, vous êtes bienvenus. Et quand on apprend l'anglais à l'école en France, on apprend l'anglais britannique ou américain? Alors majoritairement britannique. Parce que c'est plus facile d'avoir des professeurs qui étudient en Angleterre. Tu as de plus en plus d'influence américaine, donc pour moi, j'ai appris l'anglais britannique. Maintenant, je sais pas si tu vas à l'école, si tu apprends plus l'anglais américain ou britannique, peut-être plus américain maintenant. Mais en tout cas, moi, quand j'ai appris l'anglais, c'était de l'anglais britannique. Parce que les professeurs allaient très certainement faire des études en Angleterre, ils avaient de l'expérience en Angleterre, donc c'était plus commun quand j'allais à l'école d'avoir de l'anglais britannique. Donc ouais, c'était une transition un peu difficile aussi entre la prononciation et un peu d'apprendre l'anglais de la reine plutôt que d'apprendre l'anglais américain après, de voir cette différence là, c'était compliqué. C'était un peu complexe. Mais ça va. Bon. Alors à part ça, qu'est-ce qu'on fait les amis? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider? Alors, comme si on habitait tous à Montréal. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai du mal moi à comprendre le... Quand tu vas à Montréal, ça va. Si tu parles français de France, ouais. C'est facile de comprendre le français de Montréal. Mais quand tu sors de Montréal, quand tu vas plutôt... dans la campagne québécoise, quand tu vas à l'extérieur de Montréal, oh putain, c'est impossible de comprendre. Enfin, pour moi, je comprends rien quand je parle avec quelqu'un qui est de l'extérieur du Québec. Expliquer plus versus plus. Ah, bah, la prononciation de plus versus plus. Oi, c'est compliqué ça. T'as une vidéo, hein, t'as des vidéos là-dessus, mais en réalité, le problème avec plus versus plus. Attends, j'ai fait une leçon là-dessus récemment. Bouge pas. J'avais envoyé ça à une cliente. Donne-moi une seconde, je vais le trouver. J'avais envoyé ça à une cliente. J'avais un tableau que j'avais fait, donc je vais le trouver. Je te dis ça tout de suite. Alors, attends, c'était qui? C'était Maddy. Non, c'est pas ici. Lynn. Et c'était plus... Voilà. Allez, je vais le copier-coller, comme ça je ne vais pas révéler son email, parce que la sécurité, c'est important. Merde, qu'est-ce que j'ai fait encore? Attends, on va mettre sur Word. Tac. Voilà. Et... là. Voilà. Ok, alors, je vais partager mon écran, comme ça, je vais vous dire ça. Bouge pas. Donne-moi un instant. Putain. Wait, so display capture. And I'm going to put myself in the corner. I just want to be here too. Hang on a minute. Video capture device. Add existing. Hello! I gotta trim that though. Voilà. myself in the corner. Make myself a little small. Eh, no, that's not what I wanted. Oh, fuck. Hang on. Voilà. I'm gonna block this one. If not, it's gonna... Voilà. Voilà, voilà. Super. Donc, ouais, la prononciation de plus versus plus. Oh, putain. C'est compliqué. Donc, ça dépend du scénario. Si c'est positif, en majorité, tu prononces ça avec le S. D'accord? Plus. Donc, en majorité, tu prononces ça avec le S. Donc, ça veut dire more. Donc, plus de café. More coffee. J'ai plus de temps. I have more time. Je parle plus schema. Here for comparison. I have more something. More than. Plus que. Donc, je parle plus schema. More something than someone else, aussi plus. J'ai plus d'argent que Paul. Le seul scénario positif où je ne prononce pas le S, c'est the most. Parce que tu utilises le, la, les. Là, ici, tu n'as pas besoin. Donc, plus. Pierre est le plus sympa. Now, if you pronounce that S here, that's fine. It's not a massive mistake, but most of the time you won't. Pierre est le plus sympa. Pierre is the most, or the most nice, or I guess in English you would say the nicest. Par contre, dans les scénarios négatifs, tu ne prononces jamais le S. Dans les scénarios négatifs, c'est plus tout le temps. Donc c'est ça qui est difficile, c'est parce que le mot plus ou plus, c'est deux choses. It's either more or no more or any more. Donc scénario positif, it's more. Scénario négatif, it's no more or any more. Donc ici, voilà, donc no more, any more. Plus de café, no S. Plus de café, no more coffee. Here, ne plus, and remember that ne is not necessary for the comprehension here, so that's why it's confusing. If I say je parle plus, or je ne parle plus, I don't speak anymore, I'm not talking anymore. Je ne bois plus d'alcool. Je ne bois plus d'alcool, I don't drink anymore. Donc ouais, c'est en fait le seul scénario qui est différent, c'est celui-ci. C'est le scénario le plus, la plus, les plus. Donc ça, c'est l'exception, mais quand c'est positif, tu prononces le S. Quand c'est négatif, tu prononces pas le S. Je pense que ça répond à la question. Donc voilà, c'est un peu difficile, mais c'est exactement ça. Alors, full screen again. Tada! Ok. Ok, on va voir les autres questions. Les Français préfèrent plus l'anglais britannique ou l'anglais américain? Je dirais l'anglais américain en majorité parce que les Français sont obsédés par la culture américaine. Donc, en général, les Français veulent visiter les États-Unis, ils veulent visiter New York, ils veulent visiter la côte ouest. Donc, ouais, ils sont un peu plus obsédés par les États-Unis. Je me trompe tout le temps, je me trompe plus tout le temps. Ouais, Kim, je comprends. J'ai regardé plein de vidéos, mais je comprends toujours pas, c'est vachement difficile. Je sais, parce que, en fait, tu dois le voir comme ça. Pour le scénario négatif, c'est très compliqué parce que les Français n'utilisent pas ne dans la conversation. Donc, quand tu enlèves ne, c'est très difficile de se souvenir que plus, c'est une structure négative. Mais ça peut aider. If you see it this way, like where you're not using no and you just hear plus, 99% of the time it's going to be no more. Unless you're in that le, la, les, plus, the most, right? The rest of the time, if it's plus, that's positive. Think of the plus sign. Voilà, voilà. Ok. Je crois que c'est bon. C'est bon. Ouais, j'ai lu tous les commentaires. Parfait. Bon bah c'est cool, c'était cool ça. Alors faites voir. Vous pensez quoi de la culture de la bouffe aux États-Unis versus en France? Est-ce que c'est vraiment des tonneaux de coca? Alors oui et non. Oui et non parce que comment dire. En fait c'est drôle parce que la culture est tellement différente à New York que par exemple en Arizona. Ma femme est d'Arizona. Donc, ouais, j'ai vu l'extrême en Arizona. C'est des fast-food partout. C'est quand tu vas à la station-service, gas station, la station-service, c'est les grands verres de coca, c'est l'excès, c'est l'excès. Et moi, tu vois, c'est drôle parce que beaucoup de Français trouvent que ça, cette culture, c'est très kitsch, mais les Français adorent. Les Français adorent explorer ça parce que pour eux, les États-Unis, ça veut dire l'excès. L'excès de nourriture, l'excès d'argent. Ils pensent Las Vegas, ils pensent McDonald's, ils pensent Taco Bell, ils pensent ce genre de trucs, quoi. Donc ouais, c'est pour les Français, quand ils pensent États-Unis, ils pensent ça. Mais je trouve que c'est très bête parce qu'aux États-Unis, t'as quand même une super culture, ou du moins ici à New York. Tu peux tout trouver, quoi. Tu peux trouver toutes les cultures, tous les types de nourriture, tous les types de restaurants, raffinés ou pas raffinés. Tu peux trouver des restaurants de luxe et des restaurants de papa-maman. Donc ouais, c'est... Moi je pense que New York, t'as vraiment tout. T'as tout ce que tu veux trouver, tu peux tout trouver. Donc ouais, moi personnellement... j'ai plus de nuances parce que j'habite à New York, mais c'est vrai que la majorité du temps, ça dépend d'où tu vas, mais quand tu vas dans l'intérieur du pays, ouais, ça peut être vraiment cette idée de débauche avec la nourriture, de triple deckers ou de tonneaux de coca, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. But I gotta say, I actually like that kind of food, so oh well. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime la cuisine très luxueuse, très gastronomique. Ça me plaît pas. Moi, j'aime plus la bouffe de papa-maman, les petits restaurants, tu sais, on appelle ça les bouchons ou les trous dans le mur. Les bouchons ou les trous dans le mur. J'adore les grands frigos américains tout en excès. Exactement. Attendez, bah, je vais vous montrer. Moi, je vais vous montrer mon resto préféré de tous les temps. C'est un petit restaurant français pas dans mon quartier, c'est dans la région de laquelle je viens. Donc moi je viens d'une région, attendez, je vais baisser un peu la lumière parce que c'est trop fort. What the fuck is it cutting me off? Like, yeah, it's weird. I'll have to figure that out. Like, I'm kind of starting to disappear if I'm getting too close to the camera. Just like, Mr. Stark, I don't feel so good. My God. Oh, c'est pas grave. Ok. Alors, ouais, je vais vous montrer. Moi mon resto préféré, ça s'appelle Chez Huguette. Chez Huguette, le Christiana. Je crois que c'est celui-là. Attendez. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Attendez. On va voir. Donc, le Christiana. Voilà. Le voici. Chez Huguette, le Christiana, qui est un restaurant absolument délicieux. Donc c'est un petit restaurant, vraiment au milieu de nulle part, dans les montagnes françaises, dans les Alpes françaises. Et c'est tout maison. Tout est maison. Donc les fromages sont, ils viennent de la ferme du coin, l'agneau il vient de la ferme d'à côté, ils font les fleurs de courgettes, la ratatouille, les trucs comme ça. Voilà, les desserts sont faits maison et c'est vraiment juste un tout petit restaurant. Et ils ont deux services, un à midi et un à 1h30 de l'après-midi. donc ouais, c'est vraiment super bon. Et tout est fait maison. Tout est fait maison. Et c'est pas très cher en plus. Et donc ça, c'est... ça, pour moi, ça, c'est le meilleur type de cuisine au monde. Ça, j'adore. Ah, putain, ouais. Qu'est-ce que j'en ai mangé, ça? La terrine. Ces trucs comme ça, c'est... le bœuf bourguignon et l'agneau et machin et tout ça. Et c'est juste à côté d'une piste de ski en plus. Donc si vous y allez l'hiver, vous faites du ski, vous allez manger après là. Oh, le malheur. Comme c'est bon. C'est tellement bon. Donc ouais, moi j'adore ça, j'adore ce type de cuisine. Et en plus de ça, c'est tout fait maison, c'est la grand-mère qui cuisine tout. C'est une famille qui a le restaurant et c'est la grand-mère qui a, je crois, elle a 86 ans ou 87 ans, quelque chose comme ça. Et elle cuisine tout, elle fait tout à la maison. Donc c'est vraiment le plus, je veux pas dire traditionnel, mais le plus... réel possible, quoi. Il y a rien qui est fait à l'avance, enfin rien qui est acheté de l'extérieur, c'est tout Enfin, sauf le beurre. Sauf le beurre président. Bon, ça, c'est pas grave. Mais voilà, pour moi, ça, il n'y a rien qui est mieux que ce restaurant. Je suis désolé pour les autres restaurants, mais moi, c'est ce restaurant-là. Il a une place particulière dans mon cœur. Tu viens de comprendre ma blague. Super. Moi, je suis toujours comme ça. Ma femme, des fois, elle me dit « Vincent, t'es bizarre parce que j'aime beaucoup faire des petites blagues, des références comme ça, un peu con de temps en temps, sur des memes ou des trucs comme ça. Donc, si vous comprenez mes blagues, je le prends comme un compliment. Bon, allez, c'est cool, les gars. Je vais devoir partir bientôt. Parce que il faut que je mange et après il faut que je donne des cours. Donc. J'ai pas d'autres questions. Ben, super. Ok. Donc, pour conclure, n'oubliez pas, je suis sur Discord pendant la semaine. Donc vraiment, venez. Just come to practice, y'all. Like if you want to come hang out during the week, I'm generally on Discord. I have it open during the day, so. You can ask me questions of vocab, how to say XYZ swear words, exchange stuff, you know, practice. I have voice channels and text channels if you want to practice in French only. We're just chatting with you, chatting together. So please, it's free. It's open to everyone. Obviously, there are some main rules like don't be an asshole to each other, all that kind of stuff. But overall, it's pretty chill. Come hang out. Et sinon, bah, j'espère faire une vidéo bientôt. Comme je disais, je bosse dessus pour l'instant. Je fais le travail de recherche pour l'instant. Et je vais certainement la filmer dans quelques jours. Et la poster peut-être d'ici une bonne semaine ou 2 semaines. Mais j'essaie de faire un peu plus de qualité et un peu moins de quantité pour avoir des meilleures vidéos. Mais sinon, comme d'habitude, je suis là tous les samedis pour faire les trucs comme ça. Les live streams, ça me fait plaisir. J'aime passer mon samedi matin avec vous. Merci pour la conversation. J'ai appris qu'il y a des mormons, même en France, et que ils maîtrisent bien la langue française. Parfait. Ouais, il y en a quelques-uns, des mormons en France. Moi, comme je disais, j'ai grandi comme ça, mais maintenant, plus du tout. Plus du tout, du tout. Peut-être un jour, j'expliquerai pourquoi, mais voilà. Enfin, bref. Cool. Eh ben, merci à tous. À la prochaine. Ça m'a fait super plaisir de passer du temps avec vous. Et n'hésitez pas à me contacter, ok, sur Discord, sur Instagram, par email, tout ça. Je suis là pour me faire des amis aussi, donc ça me fait plaisir de vous parler. Allez, à plus tout le monde. Bon week-end. Ciao. Et c'est parti. À plus.